Christine Schurer avait 30 ans lorsqu'elle est tombée follement amoureuse d'un homme suédois. Pendant des années, elle continuera à le voir à l'occasion et à entretenir une petite relation à distance avec lui. Mais lorsque la relation finira, Christine va rentrer dans une obsession immense et fera tout pour récupérer son petit ami, même l'impensable. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Christine Schurer, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une affaire suédoise, allemande-suédoise, je dirais. Et je pense que c'est une première sur cette chaîne, donc je suis assez contente de pour une fois aller vers d'autres contrées et pouvoir vous raconter des histoires qui viennent pas seulement de Belgique, Canada ou États-Unis. Je trouve que cette histoire fait vraiment, vraiment peur. Donc en tout cas, j'espère que ça va vous intéresser. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous. Christine Schurer est née le 30 juin 1976 dans la ville de Hanovre en Allemagne. Son début de vie a été assez standard, mais lorsque Christine a eu 11 ans, son père a quitté la famille et suite à ça, elle et son papa ne se sont plus vraiment parlé. Sa vie a continué et à l'adolescence, Christine s'est rendue à New York en tant qu'étudiante d'échange et a vécu dans une famille d'accueil à Manhattan pendant quelques temps. Elle s'est ensuite rendue dans l'Oklahoma avant de revenir vivre en Allemagne. À son retour en Allemagne, elle s'est installée dans la ville de Göttingen et a étudié l'histoire à l'université pendant 6 ans. Après ses études, Christine a décidé une nouvelle fois de quitter l'Allemagne et ici on se rend bien compte qu'elle avait vraiment pris goût au voyage. Elle va alors se rendre dans la ville d'Athènes en Grèce et pendant son séjour là-bas, Christine va se trouver un emploi dans une auberge de jeunesse et elle a également réussi à trouver un emploi dans son milieu vu qu'elle a été engagée comme historienne. Après un an sur place, Christine est retournée vivre dans sa ville natale en Allemagne pour continuer à travailler, mais elle n'y restera pas longtemps. Et en 2006, elle retournera en Grèce, mais cette fois-ci sur l'île de Crète. C'est sur cette île que Christine, alors âgée de 30 ans, va tomber amoureuse. Elle va rencontrer un jeune Suédois du nom de Torni Elgren. Les deux vont avoir une jolie idylle pendant 2 semaines, mais finalement chacun rentrera dans son pays respectif. Le problème est que du côté de Christine, une obsession va commencer à naître pour cet homme qu'elle venait de rencontrer. Leur aventure ressemblait à une amourette de vacances, mais pour elle, il n'était pas question d'en rester là, elle avait vraiment besoin de le revoir. À l'automne 2006, Christine a alors décidé de se rendre en Suède pour rendre visite à Torni qui habitait dans la ville de Arboga. Pendant ces quelques jours qu'ils ont passés ensemble, Christine a retrouvé son idylle avec Torni et pour elle, c'était comme si leur relation avait reprise. Elle est donc retournée le voir quelques fois en Suède, mais voilà, en 2007, Torni va envoyer un simple message à Christine pour lui dire qu'il n'avait plus vraiment envie de la voir. Pour lui, Christine, c'était une amante dans un autre pays, une sorte de relation sans prise de tête et il voulait juste en finir. Mais je pense que vous pouvez l'imaginer, pour Christine, ça a vraiment été la fin du monde. Elle ne s'y attendait pas du tout et c'est vrai que dans sa tête, c'était une relation qui était quand même très importante. Recevoir un SMS comme ça qui disait « c'est fini entre nous », ça lui paraissait complètement dingue et elle a été extrêmement malade de savoir ça. Elle a même vomi pendant toute la nuit. Le lendemain, elle a fini par répondre au message de Torni et là, elle a commencé un petit peu à l'insulter, à lui dire que justement, elle avait été malade toute la nuit à cause de lui, qu'elle en revenait pas, qu'il s'était bien foutu d'elle. Et Torni, de son côté, il n'a pas forcément compris la réaction de Christine parce que pour lui, tout était clair. C'était une relation un petit peu sans prise de tête. Voilà, c'était entre deux personnes qui habitent loin l'un de l'autre et quand ils se voient, bah voilà, ils sont ensemble, ils rigolent bien, mais c'était tout. Donc, pour lui, quand il a envoyé le message pour dire que c'était fini, il s'est même pas dit ça va peut-être la blesser, c'était simplement pour lui dire bah écoute, maintenant on s'est bien amusé mais je vais peut-être me poser donc t'es pas obligé de revenir. Donc c'est vrai qu'il y avait un problème de compréhension dans cette histoire et Christine a été vraiment dévastée. Bon, sinon heureusement les jours vont passer, les mois vont passer et Christine va sembler un petit peu se remettre de cette rupture et un beau jour elle va envoyer un message à Torni.
et elle lui demande si elle peut venir le voir en Suède. En fait, elle veut le voir une dernière fois pour essayer que ça aille mieux entre deux. Et Tony s'est dit pourquoi pas, on s'est pas vraiment dit au revoir, on s'est pas vraiment expliqué. Maintenant, elle a plus l'air énervée, donc il a accepté. Bon, vous imaginez bien que Christine, elle, elle avait quand même un petit plan derrière la tête. Et même si les mois étaient passés, elle avait toujours quand même une obsession pour Tony. Obsession qui sera même de plus en plus grandissante, vous allez voir. Christine s'est alors rendue à Orboga en Suède fin 2007 et a pris un hôtel à Stockholm qui se situe à 150 km de là. L'ultime rencontre normalement entre Christine et Tony s'est bien passée et Christine est repartie à Stockholm. Tout s'est passé totalement normalement, ils ont bien discuté. C'était comme Tony l'imaginait. Le problème c'est que les jours qui vont suivre, Christine va commencer à l'appeler en lui disant qu'elle avait essayé de mettre fin à ses jours et elle dira aussi qu'on lui a volé son portefeuille à Stockholm et qu'elle n'avait donc plus d'argent pour l'essence, qu'elle était perdue, etc. Tony, lui, il savait pas du tout quoi faire. C'est vrai que Christine lui avait dit qu'elle avait essayé de mettre fin à ses jours pour lui. Lui, il comprend pas vraiment ce qui est en train de se passer et il dit, bon, elle est quand même venue pour moi, maintenant elle a même plus d'argent. Donc, il va accepter de lui prêter son canapé pendant quelques nuits. Ces quelques nuits vont passer et le jour J, Tony va l'amener à l'aéroport pour que Christine puisse repartir en Allemagne. Mais encore une fois, ça ne va pas être la fin des problèmes. Une fois à l'aéroport et une fois que Tony était reparti, Christine va l'appeler en lui disant qu'elle est dans les toilettes de l'aéroport et qu'elle a refait une tentative de suicide et qu'encore une fois, c'était pour lui. Donc ça, c'est vraiment ce que Christine lui a dit. Je ne sais pas moi s'il a réellement essayé de mettre fin à ses jours dans les toilettes de l'aéroport. Je ne suis personne pour savoir si elle a dit la vérité ou non. Mais en tout cas, il n'y a aucune preuve qui montre qu'elle l'a vraiment fait. Mais bon, finalement, Christine va retourner en Allemagne et une année va passer sans qu'il y ait vraiment rien de très gros à vous raconter. Même s'il n'y a pas de gros éléments, on va se rendre compte que Christine n'a pas du tout oublié Tony, car d'ailleurs, à l'été 2008, elle va se rendre une nouvelle fois en Suède. Alors sur place, évidemment, elle essaiera de contacter Tony, parce qu'elle va sur place pour le voir, elle a encore un espoir, elle se dit « J'ai été gentille, j'ai été calme pendant un an, peut-être que maintenant il voudra bien me revoir et quelque chose pourra recommencer entre nous. » Donc elle va lui envoyer un message et Tony de son côté va lui répondre en lui disant qu'il s'est trouvé une petite amie qui a d'ailleurs déjà des enfants et il a alors deux beaux enfants à charge et donc il ne veut tout simplement plus la revoir. Suite à ça, Christine ne va pas rentrer en Allemagne et elle va à la place déménager en Suède et elle va s'installer dans un appartement dans la banlieue de Stockholm et plus précisément à Skarpnäck. Là-bas, elle va totalement plonger, elle était totalement dévastée par sa rupture et en octobre 2008, elle va commettre une troisième tentative de suicide et suite à ça, elle sera admise à l'hôpital psychiatrique de Stockholm. Une fois à l'hôpital, elle dira qu'elle a fait ça à cause de sa rupture avec son petit amie et à cet hôpital elle essayera encore une fois de remettre fin à ses jours. Finalement en quelques semaines elle sera relâchée de l'hôpital en n'allant pas forcément mieux, vous allez voir. En février 2008 elle va envoyer une lettre à Tony en lui disant qu'elle avait donné naissance à son enfant mais qu'elle l'avait mis en adoption. Alors évidemment c'était faux, elle n'était pas tombée enceinte de lui et elle avait encore moins accouché d'un enfant qui avait été mis à l'adoption. Par contre Christine voulait vraiment que Tony puisse y croire et donc quelques semaines plus tard elle a renvoyé une lettre à Tony mais cette fois-ci en se faisant passer pour un homme qui aurait adopté l'enfant. Alors Tony n'a pas vraiment réagi à ces lettres, il a compris qu'elle essayait de tout faire pour essayer de le reconquérir donc il a un petit peu laissé passer, c'est vraiment un homme gentil qui cherchait pas d'histoire et il s'est dit bon elle va pas bien c'est pas très grave. En fait là on voit clairement que Christine ne va pas bien, elle tente tout pour essayer de reconquérir Tony mais elle a plus de recul sur la situation et elle va de plus en plus loin dans ce qu'elle fait, c'est de plus en plus grave et elle n'arrive plus à s'en rendre compte. On se rend bien compte que là elle est prise dans une psychose, une obsession et qu'elle ne maîtrise plus du tout la situation. Et puis aussi, elle est seule en Suède, elle n'a pas d'amis ni de parents pour la remettre sur le droit chemin. Et puis c'est vrai que son père l'avait abandonnée à l'âge de 11 ans, elle et sa mère. Et depuis, c'est vrai qu'elle a un petit problème avec l'abandon, même un gros problème. Et elle a du mal à accepter ça.
Comme je vous l'ai dit, Christine vit à Stockholm, donc à 150 km d'Aboga, ce qui fait qu'elle ne croise pas son ex-petite amie tous les jours, ni sa nouvelle petite copine. Malgré tout, on sait qu'elle ira quand même 3 fois sur place en l'espace de 2 mois. Elle s'y rendra en train le 30 janvier, le 12 mars et le 14 mars. Sur place, elle a réussi à trouver sa nouvelle maison où il habitait avec sa petite amie Emma Jengestig, qui avait 23 ans, et les enfants d'Emma qui étaient Saga, 1 an, et Max, 3 ans. On sait que sur place, Christine ne s'est pas présentée, elle n'a pas frappé à la porte, elle ne s'est pas fait voir. Par contre, elle a rôdé autour de la maison du couple et peut-être même qu'elle s'est introduite à l'intérieur parce que quand on donne les dates où elle s'est rendue sur place à Torny, eh bien, il explique que ces jours-là, des choses étranges s'étaient passées dans la maison. Ils avaient entendu des bruits, ils croyaient qu'il y avait un voleur. Donc, il est possible qu'elle ait essayé d'entrer. Malgré tout, on ne sait pas exactement ce qu'elle y faisait et pourquoi est-ce qu'elle y allait. Par contre, le 17 mars 2008, donc seulement 3 jours après sa dernière visite, Christine va se rendre encore une fois à Aboga. Elle va s'y rendre en train, elle va marcher jusqu'à la maison de Torny et cette fois-ci, à 19h09, elle va enfin toquer à la porte. À l'intérieur, Emma était en train de parler avec sa sœur Ida via MSN. Quand on frappe à la porte, elle va simplement dire à sa sœur qu'elle revient et elle va aller ouvrir. Lorsqu'Emma ouvre la porte, elle se retrouvera alors face à Christine qui va tout simplement lui sauter dessus et qui va la frapper à la tête 15 fois à l'aide d'un marteau. Emma va se retrouver au sol totalement inconsciente et c'est là que Christine va se rendre compte que les deux enfants d'Emma, qui je le rappelle ont 1 et 3 ans, ont tous les deux assisté à la scène horrible. À ce moment-là, Emma va se diriger vers eux et va également les taper à la tête à l'aide de son marteau avant de s'en aller. Torny, lui, n'était pas à la maison à ce moment-là. Il y avait seulement sa petite copine et ses deux beaux enfants. Et on peut se dire que Christine le savait. Peut-être qu'en y allant plusieurs fois, elle s'était rendue compte des horaires de travail de Torny et elle était donc arrivée à ce moment-là quand Torny n'était pas encore rentré. C'est seulement 10 minutes plus tard que Torny va enfin rentrer du travail et qu'il va assister à la scène. Il va alors voir que sa femme est toujours consciente, elle a ses deux enfants dans les bras, ses deux enfants qui, eux, ne semblent plus du tout conscients, et Torny va alors se jeter sur le téléphone. Il appellera alors les secours et dira « Aidez-moi ». Trois personnes, une saignant abondamment, deux gosses, 1 an et demi et un... Mais merde, ça ressemble à des trous dans... Qu'est-ce que c'est que ça? Tous les trois sont touchés à la tête. L'ambulance arrivera, mais malheureusement, seule Emma était encore consciente. Les enfants, eux, avaient déjà perdu la vie. Emma sera amenée à l'hôpital et après ça, elle semblera comme avoir perdu la mémoire. Il lui faudra des jours avant qu'elle puisse se rappeler de ce qui s'était réellement passé. Ce qui est horrible, c'est que les policiers lui demanderont toujours de répéter ce qu'il s'était passé, de chercher toujours plus de détails dans sa tête, et la pauvre Emma devra revoir en permanence le moment où elle a vu ses deux enfants perdre la vie. Au final, Emma dira que c'est une femme qui l'avait attaquée, mais elle ne savait pas qu'il s'agissait de Christine, bien qu'elle avait tout de même de sérieux doutes. Les amis de Torny, eux, parleront à la police en disant que c'est sûr, la responsable ne pouvait être que Christine. Ils le savaient, ils savaient que Christine était totalement obsédée par Torny et qu'elle n'allait pas bien du tout. Ce qui est dingue, c'est qu'à ce moment-là, Torny, il était complètement dans le déni. Il dira plusieurs fois que c'est impossible que Christine ait fait ça, que c'était une femme gentille. Alors, est-ce qu'il cherchait à la défendre? Est-ce qu'il n'y croyait pas? Ou est-ce que plutôt, il voulait pas croire que peut-être tout ça était arrivé à cause de lui? Alors, je dis à cause de lui, c'est pas vrai, c'est pas arrivé à cause de lui. Mais c'est ce qu'on peut se dire quand on est dans ce genre de situation. Mais en tout cas, dans tous les cas, il n'a pas vraiment voulu reconnaître sur le moment que Christine pouvait être la coupable. Mais la police de leur côté vont faire une enquête et ils arriveront à lui prouver que Christine était bel et bien la responsable. On verra qu'elle a justement acheté un billet de train à Aboga le jour des meurtres et on la voit aussi sur les vidéos de surveillance dans la gare de Aboga la nuit du 17 mars. On la voit d'ailleurs reprendre le train vers Stockholm seulement 10 minutes après les meurtres et ensuite on sait que le soir même elle a pris un vol vers l'Allemagne. Une perquisition a ensuite eu lieu chez elle et on a retrouvé 62 photos de Torny dans son ordinateur. Elle avait aussi effectué de très nombreuses recherches sur lui et ses proches. De plus, la police sera avertie quelques jours plus tard qu'il manquait un marteau dans la boîte à outils de l'appartement qu'elle avait loué en Suède.
Finalement, le 26 août 2008, donc 5 mois après le drame, Christine a été reconnue coupable des meurtres et de l'agression d'Emma. Christine a alors subi une évaluation psychologique pour voir si elle était apte à être condamnée à une peine de prison ou bien si elle devait plutôt recevoir un traitement psychiatrique lourd. Mais Christine, de son côté, n'a pas du tout voulu coopérer, donc les psychiatres, les psychologues n'ont pas vraiment pu l'analyser, elle n'a pas voulu parler et donc ça a été très compliqué d'établir un profil psychologique de Christine. En octobre 2008, son procès a eu lieu et elle a alors été condamnée à la prison à vie et le peu d'évaluation psychiatrique qu'on a fait sur elle montrait qu'elle savait pertinemment bien différencier le bien et le mal et que donc elle méritait la prison. Christine a d'ailleurs été la 7e femme de l'histoire suédoise à être condamnée à la réclusion à perpétuité. Et il faut savoir que lorsque quelqu'un est emprisonné à perpétuité en Suède, il est assez commun que la personne puisse ressortir entre 10 et 15 ans après le début de son emprisonnement. Ici, ça n'a pas vraiment été le cas parce que Christine a été transférée vers une prison allemande en 2012 et donc elle doit toujours être en prison aujourd'hui, en tout cas aux dernières nouvelles, elle y était toujours. Peut-être qu'elle sortira bientôt, peut-être pas. Souvent, comme je le dis dans beaucoup de vidéos, quand quelqu'un est en prison et peut enfin ressortir, soit ils vont dans des institutions spéciales, ils sont pas totalement libres, ou en tout cas on les cache parce qu'on aurait peur que quelqu'un s'en prenne à eux. Mais je doute vraiment qu'aujourd'hui elle se balade dans des rues normalement. C'est sûr qu'elle est soit en prison, soit dans un centre un peu plus spécialisé. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, que l'histoire vous aura aussi fait un petit peu peur comme moi. Surtout qu'ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. C'est deux enfants, deux tout petits enfants qui ont été tués. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!